إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد نعم donc on est dans le cours numéro 105 et on est dans le chapitre 38 à la fin du chapitre 38 et le chapitre 38 c'était au sujet de ceux qui prennent des égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de rendre haram et halal et de suivre les moines et les moines et les rabbins ou bien les dirigeants et les savants dans le fait de rendre haram ce qui est halal ou de rendre halal ce qui est haram et on a expliqué que ça c'était une forme de shirk. Toutefois on a terminé d'expliquer le chapitre par rapport aux paroles de Cheikh Saleh Al-Fawzan. Il nous reste juste à mentionner les points bénéfiques du chapitre. Et j'ai rajouté une partie du Sharh du Kitab al-Tawhid du Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, pour clarifier encore plus la question au sujet de ce sujet-là, pour clarifier certains petits détails qui peuvent être mal compris par certains. Et donc, on va continuer la parole de Cheikh Ahmed al-Najmi à partir du point que j'expliquais hier. Le Cheikh il expliquait que le fait d'obéir à une créature dans le haram, c'est-à-dire quelqu'un t'ordonne de faire quelque chose de haram et toi tu l'obéis là-dedans, ça c'est pas nécessairement une forme de kufr qui fait sortir quelqu'un de l'islam. Ça peut faire sortir quelqu'un de l'islam, ça peut être aussi un shirk ou un kufr mineur, d'accord? C'est-à-dire que, comme le shirk il explique, c'est que, si quelqu'un obéit quelqu'un dans un péché, obéit à quelqu'un dans le péché, donc dans ce cas-là, c'est considéré comme une forme de shirk mineur. Et puis je vais relire la fin du début, comme ça va être plus clair, puis vous n'allez pas être confus. Le shirk il dit « Inna ta'at al-khalq fi ma'asiyatillah, fiha shay'un min al-shirk, wa in kana shirkan ghayra mukhrijin min al-millah ahyanan, illa annahu shirkun asghar. ويسمى من أجل ذلك عبادة ومن هنا يخطئ كثير من الناس فيظنون أن طاعة المخلوق في معصية الخالق في أمور جزئية يظنون أن ذلك من الكفر المخرج من الملة وهذا خطأ والظاهر أن ذلك يتفاوت بتفاوت ما بتفاوت كل طاعة قدمت للمخلوق في معصية الخالق تعد كفرا بالتفاوت ما وقعت به الطاعة وهذه المسألة بالذات تحتاج إلى تحقيق أكثر لأن لو قلنا أن كل طاعة قدمت للمخلوق في معصية الخالق تعد كفرا للازم من ذلك تكفير المسلمين بأمور من المعاصي ولكنها من الشرك الأصغر والكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة. Donc le Cheikh il dit que d'obéir à une créature dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça a rapport avec le shirk. Mais c'est un shirk qui ne fait pas sortir quelqu'un de la religion, parfois. Ça peut être un shirk mineur, comme on dit. Et c'est pour ça qu'on l'appelle ibada, hein, c'est une forme d'adoration. D'obéir à quelqu'un dans le péché, c'est une forme d'adoration. Mais il y a beaucoup de gens qui font l'erreur et qui croient que toute obéissance à une créature dans la désobéissance du créateur,
dans une question élémentaire, il pense que ça c'est un kufr qui fait quitter l'islam, qui fait sortir de l'islam. Il dit, et ça c'est une erreur, parce que en apparence, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, qu'est-ce qui est clair, c'est que ça dépend dans quelle chose tu obéis la personne. D'accord? Si quelqu'un t'ordonne de faire un péché, et que ce péché-là il est kufr ou shirk, dans ce cas-là, si tu l'obéis dans ça, là tu sors de l'islam. Par exemple, quelqu'un t'ordonne, par exemple, d'insulter Allah, d'insulter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sans contrainte, hein, et toi tu l'obéis, donc ça va être une forme de kufr. Hein. Si quelqu'un t'ordonne de, par exemple, te demande d'adorer, d'invoquer autre que Allah, ou de te prosterner devant une statue ou une idole, hein, ou d'égorger pour un saint ou pour un wali, ça va être une forme de shirk majeur. Toutefois, si quelqu'un par exemple t'ordonne de, par exemple, de boire de l'alcool, ou de vendre de l'alcool, ou de tuer quelqu'un, ou bien de manger du porc, si tu l'obéis là-dedans, c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam. C'est un péché, parce qu'il t'a ordonné de faire quelque chose qui est péché, qui est haram. Hein? Tant que toi tu sais dans ton cœur que c'est haram, et tu crois que c'est haram, tu l'as pas rendu halal, dans ce cas-là, c'est pas quelque chose qui te fait sortir de l'islam. C'est un kufr mineur, un shirk mineur. D'accord? Et donc, il dit que, le shirk, il dit, il faut que quelqu'un, lorsqu'on parle de ce sujet-là, il faut vraiment analyser et bien vérifier les informations qui sont données à ce sujet-là. Parce que si on disait que toute obéissance qui est donnée à une créature dans la désobéissance du créateur était un kufr, ça voudrait, un kufr majeur, ça voudrait dire qu'on devrait déclarer tous les musulmans qui font des péchés comme étant mécréants. Et ça c'est grave, hein, ça c'est la voix des Khawarij. C'est la voix des Khawarij qui déclare kuffar tous les gens qui font des grands péchés. Le cheikh il dit donc qu'il faut bien comprendre ça, ça veut pas dire que c'est un kufr majeur, c'est un kufr mineur, ok. Et le kufr mineur ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam. Ensuite, le cheikh il donne des exemples pour faire comprendre. Et on avait commencé hier soir à expliquer ce point-là. Écoutez bien, concentrez-vous, parce que ce sujet-là, il est compliqué, il est difficile. Et non seulement il est difficile, il est très sérieux et très important. Les détails qu'on est en train de clarifier maintenant, ça peut vous sauver de beaucoup de graves problèmes dans votre compréhension de l'islam. Il y a des gens qui sont égarés, des milliers de musulmans dans ce siècle et avant qui se sont égarés du droit chemin à cause de cette question-là. Donc c'est quelque chose de grave, de sérieux, il faut bien comprendre, d'accord? Ok, c'est très important. Le cheikh, il dit, il donne des exemples. Il dit, si, مثال ذلك, لو أن شخصا أمرته زوجته بأن يشتري لها شيئا محرما في الشريعة فوافقها وحقق رغبتها هل يعتبر حين أطاع زوجته قد خرج من الإسلام واتخذها ربا والعياذ بالله؟ الجواب لا، لأن هذه الطاعة هي طاعة في معصية الله، ولكنها طاعة جزئية لا يترتب عليها كفر مطيع. Il dit par exemple, si quelqu'un, sa femme lui ordonne d'acheter quelque chose pour lui qui est haram, ok, et qui s'en va pour l'acheter, et qui accepte de lui acheter cette chose haram, est-ce que tu vas dire que du moment qu'il a obéi à ton épouse dans cette chose-là, qu'il a quitté l'islam à cause de ça, parce qu'il a obéi dans quelque chose de haram? Tu vois, cette femme elle lui dit, écoute, je sais pas moi, va nous prendre un prêt à la banque avec intérêt pour une voiture ou pour une maison, ou bien par exemple, je sais pas moi, va nous acheter du porc, ou bien achète-moi un chien, je veux un chien dans la maison, des trucs comme ça, ou bien de l'alcool. Donc l'homme il dit, ok bon, j'aime ma femme, je vais lui acheter pour qu'elle soit contente.
il s'en va, il l'achète. Est-ce que ça veut dire qu'il l'a pris comme une divinité en dehors d'Allah et qu'il a quitté l'islam parce qu'il a fait ça? Non. Parce qu'il a obéi dans une chose qui est une chose élémentaire et en même temps, il n'a pas rendu halal cette chose-là. Donc le cheikh il dit que ça c'est une obéissance dans la désobéissance d'Allah pour une créature, mais que c'est pas quelque chose qui implique que la personne a quitté l'islam. Il donne un autre exemple. وكذلك لو أن شخصا ممن يزعمون أنهم علماء ودعاة ولكنهم مفتونون بالحزبيات كأن يكون إخوانيا أو قطبيا أو تحريريا ينتمي إلى حزب التحرير قال لشخص كان ممتنعا عن الدخول في الحزبيات إن الحزبيات جيدة وتحفز على العمل ونحن نرى الحزبيين يجتهدون في الدعوة أكثر عمن يقال أنهم سلفيون فأطاعهم ذلك الشخص ودخل في الإخوانية مثلا أو في حزب التحرير أو القطبية فهل نقول أنه كفر بطاعته لهذا المفتي الذي أفتاه؟ الجواب لا، وإن كان هذا المفتي يعد من الأحبار والرهبان وقد أطاعه في معصية الله. الشيخ donne un autre exemple. On a donné l'exemple à propos de celui qui obéit à sa femme. Là, il donne un autre exemple à propos de celui qui obéit à quelqu'un qui est dans un parti islamiste, un groupe islamique. Donc, il y en a qui se prétendent savants ou des gens qui appellent à l'islam, sauf qu'ils sont, attachés au groupe et au parti islamique. Ils travaillent pour des partis islamiques. Au lieu de se libérer de ça, puis d'appeler uniquement à l'islam sans se relier à un groupe, juste à appeler au Coran et à la Sunna, hein, et à la voix des salafs. Donc eux, ils suivent un groupe. Soit que c'est le groupe des frères musulmans, Ikhwan al-Muslimin. Soit que c'est les Qutbiyyin, les gens qui suivent cette Qutb, et qui font le takfir, qui font beaucoup de fitna, des sururi, qu'on les appelle aussi des sururiyyin. Des gens qui se disent salafis, mais qui appellent au takfir, et qui appellent à toutes sortes d'autres bid'a. Donc, ça c'est un exemple. Et il y a aussi les Hizb al-Tahrir. Hizb al-Tahrir c'est un autre groupe aussi, c'est un groupe aussi islamique, politique. Et ils veulent soit disant ramener le khilafa et appeler les gens à établir le gouvernement islamique dans le monde. Donc ça c'est un autre groupe de cette tendance-là qui fait partie des groupes de bid'ah. Donc si quelqu'un, une de ces personnes-là qui appartient à un de ces groupes-là, il arrive devant quelqu'un qui hésite, il veut pas rentrer dans aucun parti, aucun groupe, et commence à lui dire c'est bien de rentrer dans les groupes, c'est bien de rentrer dans un parti islamique, hein, rentre avec nous, etc., etc. Et que cette personne-là, elle refuse, elle dit non, j'ai pas envie. Et le cheikh, il dit que elle lui fait beaucoup d'invitations et de da'wa pour qu'elle rentre dans le parti. Hein. Donc lui, il est en train d'appeler à quelque chose de haram, parce que c'est haram d'appeler à un parti et d'appeler à un groupe et de faire partie d'un groupe, c'est haram dans l'islam. Donc lui il est en train d'appeler quelqu'un à quelque chose de haram. Donc le cheikh il dit, et on voit que les chizbiyyins, les gens qui font partie des chizb, des partis, des groupes islamiques, ils font souvent plus d'efforts dans la da'wa, ils sont plus actifs dans la da'wa que ceux de qui on dit qu'ils sont salafis. Tu vois aujourd'hui, souvent des gens, il y en a des gens de qui on dit que ce sont des salafis, mais ils font aucune da'wa. Ils n'invitent personne à suivre la voie des salaf salih, à suivre l'exemple des sahaba et à la compréhension de l'islam telle qu'elle a été comprise par les sahaba et les tabi'in et les tabi'in et les ulama et les imams de l'islam. Ils gardent ça pour eux et puis ils laissent tout le monde suivre qu'est-ce qu'ils veulent sans jamais leur dire, sans jamais les inviter à la vérité. Donc le cheikh en même temps indirectement il donne un conseil. Souvent tu vois que c'est ceux qui sont dans l'égarement qui sont plus actifs pour appeler à qu'est-ce qu'ils font que ceux qui sont sur la vérité. Donc il dit que si cette personne-là écoute et accepte l'invitation de cette personne et qu'il rentre dans le groupe des Ikhwan ou dans le groupe de Hizb al-Tahrir ou dans le groupe des Qutbiyyin, est-ce qu'on va dire que cette personne-là a mécru et a rejeté l'islam parce qu'il a accepté
de faire ce péché-là et d'entrer dans ce groupe? Il dit le chef, non. Hein? Même si, ce mufti, cette personne qui l'a invité à ça, fait partie des savants, fait partie des adorateurs, et qu'il l'a obéi dans la désobéissance d'Allah, on ne va pas dire qu'il est mécréant à cause de ça. D'accord? Le chef dit, وكذلك لو أطاع نفسه التي أمرته بمعصية الله عز وجل بأن كان في حوار مع أخيه أو مشادة معه فغضب عليه فسفك دمه وأزهق روحه فهل يعتبر قد كفر بذلك؟ الجواب لا. الشيخ يقول la même chose, si tu obéis à ton âme dans le péché, tu obéis à ton âme, parce que quand tu fais un péché, c'est ton âme qui te pousse à le faire. Et quand tu fais ce péché-là, c'est comme si tu as obéi à ton âme et à tes passions. Donc le fait que tu as obéi à tes passions dans quelque chose de haram, et le cheikh il donne l'exemple que tu es en train de discuter avec un frère, et puis que tu te mets en colère, puis tellement que tu es fâché, tu le tues, et tu prends sa vie. Est-ce que le fait que tu as obéi ton âme dans ce péché-là, est-ce que ça veut dire que tu as quitté l'islam parce que t'as obéi dans le péché? Non. Tu vois? Parce que c'est un péché. Et le cheikh dit, ونقول أن كثيرا من الناس الذين يكفرون الناس بالمعصية يذهبون إلى هذا الخطأ إلى هذا التأويل الخاطئ الذي يكفرون به عباد الله ولو كان هذا من الكفر المخرج من الملة لما بقي من المسلمين أحد على إسلامه ولكن كما قيل في المثل يفسد الأديان نصف فقير ويفسد الأبدان نصف طبيب ولذلك ولزيادة الإيضاح نجد أن الله عز وجل سمى القاتل أخا في قوله فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Donc le cheikh explique ici, il dit qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font le takfir des gens à cause des péchés. Il y a une catégorie, même parmi certains doigts que j'ai mentionné hier, comme Salman al-Awda, Safar al-Hawali, aussi j'avais mentionné Mohamed al-Maghraoui au Maroc, et aussi à un moment donné il y avait Abu Ishaq al-Hawani qui avait fait cette erreur-là, qui font le takfir de celui qui fait un grand péché avec persistance. C'est-à-dire qu'il le fait constamment. Eux, ils ont dit, si quelqu'un le fait une fois, ok, s'il fait tomber, bas, c'est correct, il n'est pas kafir. Mais s'il le fait plusieurs fois, puis qu'il ne se repent pas, là, il disait qu'il est kafir, dans ce cas-là. Et ça, c'est la même bid'a que la bid'a des Khawarij. Parce qu'il n'y a pas un nombre de fois spécifique pour que tu dises quand est-ce que la personne qui fait un grand péché devient kafir ou non. Sur quoi ils se basent, ces gens-là, tu vois? Là, on est en train de parler du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est le verset 31 dans surat Tawbah, où Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que les juifs et les chrétiens, ils ont pris leurs moines et leurs rabbins comme des seigneurs en dehors d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce verset-là, et il y a un compagnon qui était un converti, c'était un chrétien qui était devenu musulman, qui s'appelait Adi ibn Hatim. Et quand il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ce verset-là, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô messager d'Allah, on ne les adorait pas, nos moines et nos rabbins. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, est-ce qu'ils ne rendaient pas haram qui est halal, et vous le rendiez haram, et est-ce qu'ils ne rendaient pas halal qui est haram, et vous le rendiez halal? Il a dit oui. Alors il dit, voici comment c'était comme ça que vous les adoriez. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, akhi? Wa alaykum salam. Comment ça va, akhi? Ça va bien? Eh, mashallah. Alhamdulillah. Donc, ouais. Ça c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam.
parce que c'est un grand péché. Et on va mentionner la preuve de ça plus en détail. Le cheikh il a mentionné les preuves à ce sujet-là. Ouais, ouais. Ouais, il n'y a pas de doute que ça, c'est un grand péché parmi les grands péchés, mais le meurtre, c'est pas quelque chose qui fait quitter à quelqu'un l'islam. Et une autre, juste pour vous donner une preuve générale à ce sujet-là, je vous donne le verset qui dit, Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. C'est-à-dire, Allah ne pardonne pas qu'on fasse le shirk avec lui. Mais en dehors de ça, il pardonne tout autre péché à qui il veut. Donc ça, c'est déjà une preuve pour dire que tout péché qui n'est pas kouf ou shirk, qui n'est pas kouf ou shirk majeur, eh bien ça ne fait pas quitter quelqu'un l'islam. Et ça lui promet pas l'enfer éternel, tant que ce n'est pas un kouf ou un shirk qui est majeur. D'accord? Et donc là, le shirk il dit que si, il y en a ceux qui disent, par exemple aujourd'hui, il y a beaucoup, comme le shirk il disait, qui disent que quelqu'un qui fait un grand péché, il quitte l'islam à cause de ça, et il dit que ça c'est une grave erreur. Hein? C'est parce que il se base sur cette mauvaise compréhension-là. Il pense que toute personne qui ordonne à un autre de faire un péché, et que cette personne-là obéit là-dedans, eh bien, donc il devient kafir. Imaginez par exemple, je donne toujours cet exemple-là à ces gens-là pour leur faire comprendre, un musulman il a un commerce. Okay. Puis dans son commerce, il vend de l'alcool. Et puis il t'engage, toi. Et il te dit, je veux que tu vendes de l'alcool. Et toi, tu dis, ah, j'ai besoin d'argent, je veux vendre de l'alcool, mais tu sais que c'est haram. Et toi, tu veux pas le vendre. Donc, qu'est-ce que tu fais, par exemple? Tu refuses de vendre de l'alcool pendant que tu travailles, ou bien les cigarettes. Quand quelqu'un vient et veut acheter les cigarettes, tu te dis non, j'en ai pas. Là, lui, ton patron qui est musulman, il vient te voir et dit, ben comment ça se fait, t'as pas vendu de cigarettes, j'ai vu que t'as pas vendu de cigarettes. Là, tu lui dis, ben il y a personne qui veut acheter, ou des trucs comme ça. Et là, il te dit, ben si tu vends pas, là je te mets à la porte. Et là, il voit que tu vends pas, là, il te met à la porte. Est-ce que tu as vu qu'il est mécréant à cause de ça? Parce qu'il t'a ordonné de faire le haram, puis il t'a mis à la porte parce que tu as refusé de l'obéir dans ça. Non, il n'est pas kafir. Tant qu'il sait que c'est haram de vendre des choses haram, mais qu'il le fait parce qu'il aime trop l'argent, et c'est un péché dans ce cas-là. C'est pas un acte de kouf. D'accord? Donc ça, c'est l'erreur de ces gens-là qui disent que du moment où tu le fais, ça prouve que tu le rends halal. Et ça prouve que tu considères que c'est halal. Non, c'est pas vrai. D'accord? Et ça, c'est grave, parce que si tu dis ça, il ne reste plus aucun musulman qui va être sur l'islam dans ce cas-là. Tout le monde va devenir kuffar. Hein, dans ce cas-là, c'est grave. Donc, ça, c'est important. Et le cheikh, il donne un exemple et il dit que, comme c'est, ça, c'est une parole que les savants répètent souvent. C'est-à-dire, qu'est-ce qui corrompt la religion, ou qu'est-ce qui détruit la religion? C'est un demi-savant, ou un demi-faqih. Et qu'est-ce qui détruit les corps, qu'est-ce qui corrompt les corps, c'est un demi-médecin, hein. Quelqu'un qui est médecin à moitié, ou quelqu'un qui est savant à moitié, il fait plus de mal que de bien, c'est ça que ça veut dire, c'est un exemple, oui, c'est ça. Comme il y a le hadith d'Abu Dhar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Atteintu al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam » وهو نائم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس ثوب أبيض وهو نائم ثم أتيته وقد استيقظ فقال من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق يا رسول الله قال وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر فهذا حديث كي rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim. J'essaie de le mémoriser, c'est pour ça que je le répète, parce qu'à chaque fois que je le mémorise, il reste pas dans ma tête. Mais c'est pour vous dire,
Ce hadith-là, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis rentré voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il portait un vêtement blanc et il dormait. Puis je suis revenu le voir plus tard et il s'était réveillé. Alors il a dit, toute personne qui dit la ilaha illallah, sincèrement de son cœur, il va rentrer au paradis. Donc Abu Dharr lui a posé la question, même s'il fait le zina, il fait la fornication, l'adultère, même s'il vole, et même s'il fait l'adultère, au messager d'Allah, il a dit, même s'il vole, même s'il fait l'adultère. Et Abu Dharr a répété encore une deuxième fois, même s'il fait l'adultère, même s'il vole, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il fait l'adultère, même s'il vole. Il a répété encore une troisième fois, même s'il fait l'adultère, même s'il vole, au messager d'Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même s'il fait l'adultère, même s'il vole, ala rahmi anfi Abi Dharr. Ça c'est comme une expression, elle dit, c'est comme si pour dire que le nez de Abu Dharr soit mis dans la poussière. C'est-à-dire dans le sens que, même si ça plaise ou non à Abu Dharr, hein, c'est comme ça. Tu vois? Et quand Abu Dharr, il disait ce hadith-là, il disait, wa in rughima anfu Abi Dharr. C'est-à-dire même si mon nez, il parlait, parce que c'est lui qui rapportait ce hadith, il dit, même si mon nez était dans la poussière, ce serait ça. Et ça, c'est pas un hadith pour inciter les musulmans à faire des péchés et pour leur dire, allez-y, faites des péchés, c'est pas grave. Tant que vous dites la ilaha illallah, vous êtes correct. Non. C'est un péché pour, c'est un hadith pour éviter que des musulmans tombent dans l'extrémisme à cause de, la bid'a, des khawarij qui, veulent déclarer mécréants des musulmans à cause des péchés. Il faut comprendre la différence. Et pas tomber dans un extrême pour dire, si tu fais des péchés, t'es plus musulman. Ou bien l'autre extrême qui dit, t'es musulman, tant que tu dis la ilaha illallah, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. Ça, c'est les murji'a. Donc il y a les deux extrêmes, et nous, il faut éviter les deux extrêmes. D'accord? Et donc, tout ça, c'est des preuves de la charia pour réfuter les gens qui déclarent mécréant quelqu'un parce qu'il fait des grands péchés. Et il mentionne les preuves à ce sujet-là. Il dit que pour montrer plus de preuves à ce sujet-là, on voit que Allah subhanahu wa ta'ala, il a nommé la personne qui tue, il a appelé par un musulman qui tue un autre musulman, il a appelé son frère. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَعٌ بِالْمَعْرُوفِ. Mais celui à qui son frère aura pardonné, en quelque façon, doit faire face à une requête convenable ou doit payer des dommages de bonne grâce. Donc, le verset, il dit quoi? Mais celui à qui son frère aura pardonné. Donc, quelqu'un, il a tué l'autre, hein, quand quelqu'un est la victime, il a ses proches. Ses proches, ils peuvent accepter de pardonner au coupable, de l'excuser, de le pardonner, ou bien ils peuvent exiger la punition pour le meurtre. D'accord? Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé le coupable le frère de la victime, le frère de celui qui a été tué. Donc ça prouve que le meurtre, ça ne fait pas sortir quelqu'un de l'islam, et que celui qui a tué ne devient pas mécréant. Parce que les frères, Allah dit « innama al-mu'minuna ikhwa », c'est seulement les croyants qui sont des frères. Donc, le fait que Allah l'ait appelé son frère, ça prouve qu'il est encore croyant. Il n'est pas devenu mécréant à cause du meurtre. Et il y a une autre preuve aussi que le cheikh mentionne, il dit « wa qala fi surat al-hujurat al-aya wa in ta'ifatani min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فسمى الفئتين المقتتلتين إخوة، فدل ذلك على أنهم لم يخرجا من الإسلام بالتقاتل. Donc le cheikh il donne le verset 10, 9 et 10 dans Surat al-Hujurat, et il dit,
Ça, c'est pour prouver que la personne qui tue ou qui combat un musulman qui combat un autre musulman, ou qui tue un autre musulman, il ne va pas être en dehors de l'islam à cause de ça, il ne va pas devenir mécréant à cause de ça. La preuve, Allah a dit, s'il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, alors réconciliez, faites la réconciliation entre les deux. Mais si, après que vous essayez de faire la réconciliation entre les deux, il y en a un des deux qui continue à transgresser contre l'autre, alors combattez le groupe qui transgresse contre l'autre jusqu'à ce qu'il revienne au commandement d'Allah. Et s'ils arrêtent et ils reviennent au commandement d'Allah, et s'ils reviennent par la suite au commandement, alors réconciliez entre les deux en toute justice et soyez justes. Allah aime ceux qui sont justes. Et après, Allah il dit juste après ça, innamal mu'minuna ikhwa, les croyants ne sont que des frères. Fa'aslihu bayna akhawaykum, alors faites la réconciliation entre vos frères et craignez Allah pour que vous ayez la miséricorde. Donc la preuve dans ce verset là c'est que Allah il dit, et si deux groupes parmi les croyants, si le fait qu'il y ait un groupe combat un autre groupe de croyants, si ça voulait dire qu'ils deviennent mécréants à cause de ça, donc Allah ne les aurait pas appelés des croyants. Il n'aurait pas dit si deux groupes parmi les croyants se combattent. Hein? Parce qu'il y a un hadith qui dit سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. D'insulter un musulman, c'est un acte de fisc, c'est comme un acte de désobéissance envers Allah. وقتاله, et de le combattre, c'est un acte de kufr. Donc, de combattre un musulman, c'est une forme de kufr. Ça voudrait dire que, si tu dis ça, ça voudrait dire que, automatiquement, quelqu'un pourrait penser que ça veut dire que si un musulman combat un autre musulman, il devient mécréant. Et c'est faux. Parce que ça, c'est une forme de kufr qui est mineure. C'est pas une forme de kufr qui est majeure. La preuve que c'est pas une kufr majeure, c'est quoi? C'est que Allah, il appelle les groupes, les croyants qui se combattent, il les appelle les deux des mu'minin. Il les appelle tous les deux des croyants. Hein? Est-ce que vous comprenez l'argument? Donc ça, c'est très important. Et donc, c'est pour dire que si des croyants, même si leur foi est moins grande, parce qu'ils ont fait un péché, sauf que tu ne peux pas les faire sortir de l'islam au complet. D'accord? Leur foi, elle est là, mais ce n'est pas une foi forte, c'est une foi faible, à cause du péché, affaiblie par le péché. Et donc, le cheikh, il dit, وهنا ومن هنا أيضا تعلم خطأ الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالكبيرة ومن سلك مسلكهم من أهل الحزبيات في هذا الزمان. Donc à partir de ça, on peut comprendre et on peut voir l'erreur des khawarij et des mu'tazila qui déclarent mécréants des musulmans à cause d'un péché à l'époque actuelle, parmi les des groupes de bid'a et des chilbiyin et parmi les takfiriyin. Ok, c'est ça leur problème et c'est ça leur erreur, ils n'ont pas compris cette question-là. Et le cheikh il termine en disant وَلَوْ قَالَ لَنَا قَائِلْ كَيْفَ تَرُدْ عَلَى مَنْ يَقُولُ أَنَّ تَرْبِيَةَ الشَّبَابِ عَلَى احْتِرَامِ الْعُلَمَاءِ وَعَدَمِ الْإِنْكَارِ عَلَيْهِمْ إِذَا أَخْطَأُوا فِي اجْتِهَادَاتِهِمْ أَنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنَ الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ أَقُولُهَا إِنَّ الْقَوْلَ بِأَنَّ هَذَا شِرْكٌ أَكْبَرُ قَوْلٌ بَاطِلٌ وأن تربية العلماء السلفيين لطلابهم على احترام العلماء لا يلزم منه السكوت عن أخطائهم، ولكنهم يقولون إن الذي ينبغي لمن أنكر على العالم أن ينكر عليه بطريقة يكون فيها أدب ولين، إما أن يكون فيما بينهم وبين العالم، وإما أن يصبغ له سؤالا ينبه فيه على الخطأ من غير مجابهته، لأن كلمة أنت أخطأت يا شيخ فيه شيء من الاستخفاف وسوء الأدب، فمن يقول أن السلفيين حينما يأمرون طلابهم باحترام العلماء يكون في ذلك شرك أكبر، في قوله غير صحيح، بل هو باطل، والمعروف عن السلفيين أنهم يأمرون بالنصيحة بطريقة
بطريقة لائقة لا يجوز فيها الاستهتار ولا الاستخفاف ولا الاستخفاف كما سبق أن بينا. Donc le chef il répond à un point. Il dit si quelqu'un disait par exemple que comment répondre à quelqu'un qui prétend que d'éduquer les jeunes à respecter les ulama et de ne pas leur réfuter ou leur répondre lorsqu'ils font des erreurs dans leurs ijtihad, que c'est une forme de shirk majeur. C'est-à-dire, si par exemple il y a un savant qui fait une erreur, de dire aux jeunes de ne pas les réfuter ou de ne pas dénoncer ces erreurs-là, et de les respecter, respecter les savants quand vous parlez des savants. Il dit que ça c'est, il y en a qui disent que ça c'est une forme de shirk majeur, est-ce que c'est vrai? Et le cheikh il répond, il dit, celui qui dit que ça c'est une forme de shirk majeur, il s'est trompé, c'est une parole qui est fausse. Hein? La clarification de ça, c'est que le cheikh il dit que nous, en fait on éduque les jeunes à respecter les savants salafiyyin et à leur montrer un bon comportement, d'agir bien envers les savants, d'accord, et de respecter les ulama. Mais quand on dit aux jeunes respecter les savants salafiyyin, ça implique pas qu'on ne doit pas réfuter ou qu'on ne doit pas répondre quand ces savants-là font des erreurs, d'accord. On doit les gens, on doit corriger les ulama et les savants quand ils font des erreurs. Hein, il y a un ulama qui soit salafi ou non salafi, on doit corriger leurs erreurs quand ils font des erreurs. Toutefois, les savants salafis, on les corrige avec respect et avec un bon comportement, une bonne attitude, avec politesse envers eux et respect, d'accord. Soit qu'on le fait entre eux et nous. On va les voir en privé et on leur dit, cher, t'as fait une erreur dans telle chose. J'ai trouvé dans tel livre telle erreur. J'ai trouvé dans telle cassette que tu dis telle chose, voici. Ou bien, soit que tu lui fais comprendre son erreur par une question que tu lui poses, pour que le cher lui-même il réalise l'erreur qu'il a fait. Hein? D'accord? Pas de l'affronter directement en disant, cher, t'as fait une erreur. Que ça c'est comme un petit peu impoli, tu vois, c'est un manque de respect. Et des fois il y en a qui font pas la différence, justement comme il y a un groupe de gens aujourd'hui qui font beaucoup de fitna en fait, et ici à Montréal on n'en a pas encore connu beaucoup comme ça, alhamdoulilah, mais sinon ailleurs dans d'autres parties du monde il y en a beaucoup. C'est ce qu'on appelle les haddadiyah. On appelle les haddadiyah. Peut-être vous connaissez pas les haddadiyah. C'est déjà, ils font pas de différence entre les savants salafis ou les mubtadi'ah. Ils respectent tout le monde sans aucun respect, sans aucune limite, sans aucune politesse. Ils traitent un égaré et un mubtadi'ah déclaré. Ils traitent un salafi de la même façon qu'un savant égaré, hein, ou un mubtadi'ah. Et ils font pas la distinction entre les deux. Donc quand ils vont réfuter une erreur d'un savant qui est salafi, ils vont le dénigrer, ils vont lui manquer de respect, ils vont le rabaisser comme si c'était un égaré ou un mubtadi, alors que c'est pas le cas. Hein? Et la différence entre un savant qui est salafi qui fait une erreur, il y a une grande différence entre les deux. C'est que le savant salafi, du moment que tu lui montres son erreur et que tu clarifies la chose, il revient, il accepte son erreur et il revient et le corrige. Tandis que le mubtadi', lui c'est sa voie, c'est sa méthodologie qui l'amène à la bid'ah et il persiste sur cette méthodologie-là constamment. C'est pas une erreur seulement qu'il fait comme ça par hasard, c'est quelque chose qu'il fait de façon préméditée et constante. Et c'est une méthodologie qu'il suit, constante. C'est pas quelque chose qui arrive comme ça, comme hein, un savant il fait une erreur parmi d'autres, hein, et tous les savants qui font des erreurs c'est normal. Sauf que c'est pas une voie spécifique qu'il suit qui l'amène à tomber dans cette erreur-là. Hein.
c'est pas une erreur, c'est pas une méthodologie qu'il suit qui l'amène à cette erreur-là, c'est une erreur qu'il a fait dans un cas spécifique, il est tombé dedans par erreur, par hasard. Hein? Il est tombé sur cette erreur-là par hasard. Tandis que le Mubtadi', lui, non, c'est calculé. Il arrive à cette erreur-là parce que toute sa méthodologie, tous ses principes qui sont faux, l'amènent à tomber dans cette erreur-là de façon constante. Mais eux, ils ne font pas la distinction entre ces deux-là, et ils attaquent tout le monde sans aucun respect. Même ils attaquent les savants salafis avec aucun respect. Comme, comment celui qui s'appelle aujourd'hui, Cheikh Faleh Al-Harbi. Faleh Al-Harbi, il a fait beaucoup de fitna comme ça. Il attaque tout le monde. Les grands savants, les gens qui sont sur le manhaj, qui clarifient la vérité, ils parlent d'eux sans aucun respect, sans aucune limite, hein. Et ils ne font pas de distinction entre les gens. Donc ça c'est le manhaj de ces gens-là qu'on appelle les haddadiyya. Ouais, on peut dire par hasard. On peut dire par hasard dans le sens ou bien une coïncidence. Et j'écoutais justement Cheikh Mohammed ibn Uthaymeen dans un cours qu'il donne sur justement sur le wudu. Sur le chapitre du Wudu, quand il explique Sahih al-Bukhari, et il parlait du mot bil-musadafa. Bil-musadafa, ça veut dire par coïncidence, par hasard. Et un de ses élèves qui lui a posé la question, il lui a demandé, il a dit, des fois, tu dis à certaines personnes, tu dis par hasard, t'es arrivé par hasard ou par coïncidence, et ils se fâchent. Est-ce qu'ils ont raison de se fâcher? Et le cheikh, il a répondu, il a dit, non, il n'a pas de raison de se fâcher. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de réel, qu'on peut tous constater qu'il y a des choses qui arrivent par coïncidence, il y a des choses qui arrivent qui sont calculées, préméditées, dans le sens que, par exemple, on va dire que je marche pour aller chez un frère, et juste quand je marche sur le chemin, on ne s'était même pas donné rendez-vous, puis on arrive face à face. On va dire qu'on s'est rencontré par coïncidence. Mais si tu dis à quelqu'un, rencontre-moi à telle heure, à tel endroit, et que tu arrives puis que tu rencontres la personne à cet endroit-là, est-ce que tu vas dire que c'est une coïncidence? Oui ou non? Non, parce que vous êtes donné rendez-vous et vous êtes arrivé à l'heure exacte. Mais là, tu n'avais pas donné rendez-vous, tu t'en allais chez lui, puis par hasard tu l'as croisé quelque part où vous n'étiez même pas donné rendez-vous, et que c'est arrivé. Attends, quand on dit que c'est une coïncidence ou quand on dit que c'est un hasard, c'est par rapport à nous, les créatures, pas par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que pour Allah, il avait su déjà, et il avait écrit, et il avait voulu, depuis avant même la création des cieux et de la terre, et c'est lui qui a créé ça, donc pour Allah il n'y a pas de coïncidence, pour Allah il n'y a pas de hasard, pour Allah il n'y a pas de chance. Mais pour nous, les créatures, par rapport à nous, comme c'est relatif à la créature, pour nous, oui. Parce que nous, on ne savait pas. C'est subitement. Tandis que pour Allah, il le savait déjà. Il n'y a pas de hasard pour Allah. D'accord? Donc si quelqu'un le dit par rapport à la prédestination, par rapport à Allah, là, c'est sûr que c'est un problème. Parce que c'est comme s'il remet en question la prédestination. Non. C'est un hasard. C'est une coïncidence. C'est pour nous, quand quelqu'un frappe une autre voiture, tu es dans la rue, tu rentres dans une voiture par inattention. C'est pas prévu, donc c'est un accident. L'accident, c'est par rapport à qui? C'est par rapport à nous, les créatures, mais pour Allah, c'est pas un accident. Pour Allah, parce que c'est Allah qui l'a voulu. Il l'a su, il l'a écrit, il l'a voulu. Et il a créé, ça ne pouvait pas se produire sauf s'il avait voulu lui-même. Mais pour nous c'est un accident, parce qu'on ne l'a pas fait exprès. Mais si tu rentres dans un mur par exprès, tu prends ta voiture puis tu fonces à toute vitesse, là ce n'est pas un accident, là c'est prémédité, tu ne vas pas dire que c'est coïncidence. Ça aussi c'est dans le destin, même si tu as fait exprès. Hey là, d'accord? Moi des fois c'est sûr que c'est comme une chaîne d'événements qui se suivent, puis que ça, on arrive à une conclusion. Mais bon, tout ce qui arrive, que ce soit à la maison, au travail ou ailleurs,
tout ça c'était prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Bon. Donc c'est pour dire que nous on appelle à corriger les erreurs des savants quand ils font une erreur, mais de les corriger avec respect, avec une politesse, avec une bonne manière, pas n'importe comment, comme des gens effrontés, hein. Et le meilleur exemple que vous pouvez voir de ça, c'est l'exemple de, comment il s'appelle, Dhul-Khuwaysira. Dhul-Khuwaysira, c'est l'homme qui vient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui lui a dit, ittaqillah, ya Muhammad. I'adil, ya Muhammad, fa innaka lam ta'adil. Il va voir le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, puis il lui dit, crée Allah, ô Muhammad. Il lui dit même pas messager d'Allah, il lui dit Muhammad. Il dit sois juste, parce que t'as pas été juste. Donc il s'adresse pas à n'importe qui, il s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il lui parle de cette façon-là, avec toute impolitesse, hein, et avec manque de respect, et il lui dit ça de cette façon-là. Les sahabas, quand ils ont entendu ça, ils étaient tellement en colère, ils étaient tellement fâchés, ils ont dit ô messager d'Allah, laisse-moi couper la tête de cet hypocrite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit non, peut-être il fait la salat, hein, et je voudrais pas que les gens disent ou pensent que le prophète il tue ses compagnons pour éviter des problèmes. Il a dit non, laisse-le. Mais il a averti les gens par rapport à cette personne. Il a dit de cette personne-là il va sortir un groupe, hein, et ces gens-là, si vous comparez votre prière à leur prière, vous allez mépriser votre prière parce qu'ils prient plus. Et bon, quand vous comparez votre lecture du Coran à leur lecture du Coran, vous allez mépriser votre lecture du Coran. Et quand vous allez comparer votre jeûne à leur jeûne, ils jeûnent plus que vous, mais pourtant ils récitent le Coran, mais ça ne va pas plus bas que leur gorge. Et ils sortent de l'islam comme une flèche sort de l'arc, hein, et qu'elle traverse sa proie, elle sort de l'autre côté de sa proie, puis il y a aucune trace dedans, tellement elle sort rapidement. Donc c'est pour dire comment ces gens-là, ils rentrent dans l'islam et ils sortent rapidement de l'islam parce qu'ils n'ont rien compris de l'islam. Et ces gens-là, par la suite, sont sortis, ils ont pris les armes contre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et leur erreur, c'est qu'ils croyaient comprendre mieux l'islam que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour dire que ces gens-là, les khawarij, ils n'ont pas de respect, même envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ceux qui suivent cette voie-là, ils suivent cette attitude-là envers même les ulama de l'islam, envers les sahaba. Envers les ulama de l'islam, ils leur parlent avec arrogance, comme s'ils sont au même niveau qu'eux. Cheikh, t'as fait une erreur. Cheikh, hein, de cette façon, impoli. Hein, et surtout des gens qui, parfois, entrent dans l'islam, nouveau, ou bien qui recommencent à pratiquer l'islam, mais qui viennent d'une jahiliya très lourde. Hein, ils viennent d'une période où ils ne pratiquaient pas l'islam, et ils avaient des couches épaisses d'ignorance sur eux, là. Et donc, ils commencent à l'enlever lentement en acceptant l'islam, puis en commençant à pratiquer. Mais malgré qu'ils ont commencé à pratiquer l'islam, ils ont gardé encore beaucoup de leur mauvais comportement, de leur caractère pré-islamique, comment ils agissaient avant. Comme ils viennent d'un quartier peut-être où les gens, ils ont une attitude un peu, comme on dit ici, vagabond, tu vois. Yarhamukallah, les Haïtiens ont dit ça entre nous, les sont vagabonds, hein. C'est quelqu'un qui est un petit peu vagabond, il fait partie des gangs, ou bien il traîne avec les gars des voyous. Quand il devient islam, quand il devient musulman, ou quand il rentre dans l'islam, il a encore cette attitude-là un peu tough, hein, un peu rude, là. Il veut montrer qu'il est, il veut pas se laisser, niaiser par personne, comme on dit. Hein, si tu l'approches un petit peu trop là, et il sort un petit peu sa jahiliya sur toi, tu comprends? Donc des gens comme ça, c'est des gens comme ça, il faut faire attention. Hein. Les bédouins, ils étaient un peu comme ça. Les bédouins, c'est des gens rudes. Ils avaient peu de manières, peu de politesse. C'est des gens crus, rudes, hein, directs, et peu de savoir-vivre, peu de diplomatie, peu de finesse. Il arrive sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme si c'est n'importe qui là, hein. Il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un foulard dans son cou, oh messager d'Allah, donne-moi ça. Il dit même pas messager d'Allah, il dit, ya Muhammad, oh Muhammad, donne-moi ça, donne-moi ce que Allah t'a donné.
il me plaît, il tire le foulard, tellement le sahab ont dit, il avait une marque rouge dans son cou, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait une marque rouge dans son cou, tellement que le bédouin il a tiré fort sur le foulard. Non, ça c'est des gens à l'époque qui étaient des musulmans, mais c'est des gens des bédouins, ils viennent du désert, ils arrivent dans la ville, ils connaissent rien. Hein? Ils n'ont pas d'éducation, ils connaissent, ils rentrent dans la mosquée, ils urinent dans la mosquée. Hein? Les sahaba ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Ils voulaient aller l'arrêter, mais le prophète s'en fait, non, laissez-le. Quand le bédouin il a tiré son foulard dans son cou, le prophète s'en a dit, il a dit non, laissez-le, il riait avec lui. Hein? Il avait tout le cou rouge là, hein, à cause de la pression, il a laissé, il n'a rien dit. Hein? Et il lui a donné en souriant, il a dit, prends-le. Donc c'est pour vous dire que il y a cette catégorie-là de personnes qui ont cette attitude rude, dure, hein, sans politesse, et qui respectent pas les ulama, et ils appliquent ça parfois au manhaj. Ils pensent que d'être dur et d'être impoli, ça fait partie de l'islam. Hein. Ils pensent que c'est une façon de montrer que t'es fort, t'es sans pitié, là, hein, t'es un vrai salafi pur et dur, hein, que tu niaises pas avec personne, tu joues pas avec personne. Hein. Et tu, oui, comme on dit, tu niaises pas avec le POC. Hein? Le POC, c'est la rondelle au hockey. Non, tu joues pas avec ça. Tu joues pas avec la rondelle, tu sais. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire. Non, un homme ne doit pas être comme ça, de cette façon-là. Un homme doit. Le musulman, il ne doit pas avoir cette attitude-là. Le musulman, il doit dire la vérité, il doit être franc, il doit être clair. Il doit être honnête, hein, et il doit témoigner de la vérité, mais avec toujours avec respect, avec politesse, avec des bonnes manières, hein, et avec honnêteté. Mais c'est vrai, il faut être fort, il faut dire la vérité, même si ça peut être amer, mais il faut savoir aussi le niveau et la valeur des gens, et le mérite des gens, et reconnaître à chacun son mérite. Tu ne vas pas parler avec n'importe qui, n'importe quelle façon. Une personne âgée, par exemple. On a eu ce problème-là même quand j'étais en France. Il y avait des problèmes dans la mosquée, dans plusieurs mosquées, il y avait ce problème-là, entre les vieux et les jeunes. Parce que les gens qui contrôlent les mosquées en France, c'est des vieux. Et les jeunes, c'est des frères salafis qui commencent à pratiquer l'islam, suivre la sunna et rejeter les bid'ah et essayer de faire une da'wah dans la mosquée. Et au lieu d'agir avec sagesse, avec douceur avec les personnes âgées, il rentre avec arrogance et dureté envers les vieux. Et il traite les vieux comme si, ah, vous savez rien, vous êtes ignorants, vous êtes, hein. Et donc, ils ont cette attitude-là envers les vieux. Et donc, les vieux, eux, ils réagissent de la même façon envers les jeunes. Et ça fait des conflits à l'intérieur de la mosquée. Et ça bloque la da'wa par la suite. Les vieux, ils ont plus de respect par la suite pour les salafis. Parce qu'ils vont dire à ces jeunes-là, quand ils commencent à pratiquer l'islam aujourd'hui, là, et ils agissent comme s'ils ont tout su, tout connu, et ils respectent personne, même les personnes âgées ne les respectent pas. Hein. Et donc, même ici, personne ne respecte les vieux. Bon. Ni les musulmans, ni les non-musulmans, mais c'est-à-dire, dans l'islam, nous, on a une ligne de conduite à suivre, c'est celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il n'est pas de nous. Celui qui ne respecte pas les personnes âgées et qui n'a pas de miséricorde envers les jeunes, hein. Donc, nous, on doit adopter ce caractère-là. Et les personnes âgées doivent aussi se respecter. Toutefois, les personnes âgées, par exemple, parmi les koufars ici, pourquoi les jeunes ne les respectent pas? Parce que, premièrement, ils n'ont rien de sagesse, ils n'ont rien de foi. Parfois, ils sont plus pervers que les jeunes. Et qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que ces personnes âgées-là, quand ils étaient jeunes, ils étaient égarés, ils sont restés égarés toute leur vie jusqu'à ce qu'ils deviennent vieux. Et quand ils sont vieux, qu'est-ce qu'on fait? On s'en débarrasse, on les met dans des maisons pour les personnes âgées. Bien entendu, chez les musulmans, c'est pas comme ça. Hein? Mais quand même, ça commence à être comme ça. Et la raison pourquoi, c'est parce qu'il n'y a pas d'éducation, il n'y a pas de compréhension des principes de la religion. Et donc, il faut savoir comment agir avec chaque personne et avoir le respect envers ceux qui méritent le respect. Et ceux qui sont dans la bid'a et qui sont égarés et qui sont persistants dans leur égarement, qui ne reviennent pas à la vérité, avec eux, on voit que les savants agissent d'une façon différente.
ils vont les exposer publiquement, ils vont montrer leurs erreurs dans la religion ouvertement, ils vont avertir les gens contre ces gens-là. Pourquoi? Pour pas que les autres tombent dans l'erreur de ces gens-là. Hein? Et ça c'est pour protéger les musulmans, et pour en donner le bien et interdire le mal. Et tu vois que les gens de Bid'a, eux, ils agissent comme ça, ils avertissent les gens contre les savants de l'islam. Ils avertissent les gens qui appellent à la voie des salafs et à la sunna. Pourquoi? Parce que c'est contraire à leur voie et à leur méthodologie et à leur égarement et à leur bid'a, et ils veulent pas perdre leurs adeptes et les gens qui les suivent. Alors ils disent faites attention à ce gars-là. Hein? Et encore tout à l'heure, il y a un frère qui m'a appelé de la France. Il a dit qu'il était dans un forum ou un site internet, je ne sais pas quoi, et il parlait avec des gens qui étaient là-bas, et il y avait quelqu'un qui lui était en France, et la personne, il y avait quelqu'un qui était de Montréal. Et il a dit à cette personne, il y a un frère, le frère de la France, il dit à la personne de Montréal, il y a un frère qui donne des cours à Montréal, et il a mentionné mon nom. Et la personne de Montréal, c'est une femme. Elle a dit, ah, fais attention à celui-là, il a parlé contre des frères qui sont droits, et il est allé dire des choses contre eux, des trucs comme ça. Et donc, yani, c'est pour dire comment ces gens-là, ils avertissent contre quelqu'un qui, par exemple, appelle au Coran et à la Sunna, et qui dénonce les bid'ah et les innovations, et qui parle, par exemple, si j'ai dénoncé quelques takfiriens, ou quelques gens de takfir ou des djihadis, et que j'ai mentionné des choses de leurs paroles aux gens, hein, eux ils vont dire, ah lui il parle contre certains frères. Oui, mais ils ne mentionnent pas c'est qui, c'est quoi les savances de ce frère, c'est quoi les idées à ce frère. Il appelle au takfir, il appelle au djihad, il appelle à dire aux gens, vous avez le droit de voler les koufars, vous avez le droit de prendre leur argent, vous avez le droit de prendre les femmes et tout, ça c'est halal, on est dans le dar al-kufr, hein, il dit c'est des butins. Et quand tu dénonces ça, ils disent, ah, t'as parlé contre un frère. J'ai parlé contre un khariji, j'ai parlé contre un mutadé, un égaré, et j'ai mentionné son égarement. Ce qu'il dit en cachette aux gens, je l'ai dit publiquement. Et ça, ça les a remplis de honte et de gêne. Et là, à cause de ça, ils disent, ah, Souleyman, faites attention à lui, il est dangereux. Ah, on dit, mais c'est lui qui est dangereux, c'est pas moi. Moi, j'ai dénoncé ce que ce gars-là a dit d'égarement. C'est vraiment dangereux. Et lui, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas un danger, ça? Hein? Donc, c'est pour ça, maintenant. C'est des gens qui sont dans cette bid'ah de takfir, et qui suivent les djihadis, hein, et qui suivent les idées de Ben Laden, et qui suivent les idées de Seyyid Qutb, et de tous les takfiriens dans le monde. Et puis après, ils disent aux gens, quand tu dis, par exemple, les chrétiens et les juifs, c'est des koufars, ils disent, non, dis pas que c'est des koufars. Hein? Dis pas que c'est des koufars, mais quand tu dénonces des takfiriens qui disent des choses qui sont, ou des djihadis qui disent des choses contre la sunna, eux ils disent pourquoi tu dis ces choses-là devant les koufars? Pourquoi tu dénonces ces gens-là et tu dis ces choses-là? Les koufars vont savoir ça. Ils disent, non mais vous dites que c'est pas des koufars. Et là quand je dénonce ces bid'a qui vont contrer à l'islam, vous dites pourquoi tu dis ça aux koufars? Tout d'un coup maintenant ils deviennent koufars? Avant ils n'étaient pas koufars, maintenant ils deviennent koufars parce que je dis ça à des koufars? C'est contradictoire. Et donc l'obligation d'un musulman, c'est d'avertir contre le mensonge et contre l'égarement. Peu importe que ce soit un musulman ou un non-musulman, ça ne fait pas aucune différence. Si elle a ces idées-là au passé, d'accord. Pourquoi elle n'a pas dit qu'elle avait ces idées-là au passé? Elle n'a pas dit. C'est là. Si elle l'a dit, qu'elle le dise publiquement, qu'elle dit oui, j'avais ces idées-là au passé, et je me suis repenti aujourd'hui, je reconnais que c'est une erreur, et j'ai cessé de dire ça aux gens. Maintenant, je dis que c'est une bid'ah, que c'est contraire à l'islam. Non, elle doit le dire. C'est pas qu'elle peut pas le dire. Elle doit le dire. Même si elle prétend que, parce que tu dois pas sauver tes fesses, comme tu dis justement. Soi-disant, tu veux sauver tes fesses. Donc, tu veux pas admettre que t'avais cette erreur-là. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit ça dans le Coran. Parce que ces gens-là, ils argumentent par rapport à quoi?
Ils argumentent par rapport à la loi canadienne et à la constitution canadienne. Et ils essaient de justifier que qu'est-ce que le gouvernement a fait, soi-disant d'arrêter quelqu'un sans preuve et sans avoir démontré les preuves, que ça c'est inconstitutionnel selon la loi canadienne. Nous on ne parle pas selon la constitution canadienne et on ne parle pas d'un point de vue de la loi canadienne. On parle sur le plan islamique. Qu'est-ce que Allah et son messager a dit? Et qu'est-ce qu'il dit? Même si c'est permis de le dire par la loi canadienne, dans l'islam c'est pas permis de le dire. D'accord? Si la loi canadienne permet à certains individus de dire que tu as le droit de prendre les biens et de prendre les vies des koufars et que c'est la liberté d'expression de dire ça, nous dans l'islam on dit non, quelqu'un n'a pas le droit d'appeler à ces choses-là. Et c'est pas quelqu'un qui croit à cette idée-là et qui la garde pour lui-même dans son cœur, c'est quelqu'un qui invite d'autres musulmans, qui invitait les autres musulmans à dire ça et à croire en ça au passé. Et si la personne s'est repentie, il y a des conditions pour la repentance. C'est que si tu t'es repenti de ces bid'ah, comme par exemple quelqu'un qui était sur la voie des Khawarij et qui était sur la voie de Ben Laden ou des Takfiriyin, puis qui a quitté cette bid'ah et qui est revenu à l'islam correct et à la sunna, une des conditions pour que sa repentance soit valable, c'est qu'elle s'est repentie publiquement ou qu'elle a exprimé publiquement qu'elle est revenue de ces idées-là et qu'elle ait corrigé le mal qu'elle a fait auparavant en parlant de la sunna et en critiquant la bid'a qu'elle faisait auparavant de la même façon qu'elle a glorifié cette bid'a-là à l'époque où elle était sur cette bid'a. Donc si par exemple quelqu'un hier il faisait takfir des dirigeants et qu'il invitait les musulmans à ça, puis qu'aujourd'hui il dit qu'il s'est repenti, il doit corriger le mal qu'il a fait auparavant quand il était sur la bid'ah et quand il faisait le takfir, et il doit réparer ça en propageant la vérité à ce sujet-là et en clarifiant aux musulmans que ce qu'il disait auparavant c'était une erreur et c'était faux, et que maintenant il clarifie aux musulmans que la sunna c'est justement de ne pas faire le takfir sans preuve et de ne pas déclarer les hukam comme étant des kuffars parce que ça c'est la voie des khawarij et ainsi de suite. C'est pas juste de dire je me suis repenti avec la bouche puis tu clarifies rien. Tu t'es repenti de quoi? Explique aux musulmans de quoi tu t'es repenti. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamin bil qist shuhada'a lillah walau ala anfusikum aw al walidayn wal aqrabin إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. الله سبحانه وتعالى il dit aux les croyants, observez strictement la justice et soyez des témoins véridiques comme Allah leur donne, fût-ce contre vous-même. Donc ça veut dire Allah سبحانه وتعالى dit soyez des témoins de la vérité pour Allah سبحانه وتعالى et pour l'agrément d'Allah سبحانه وتعالى, même si ce que vous allez dire comme témoignage, ça va faire en sorte que ça va retourner contre vous, ou contre vos parents, votre père et votre mère, ou contre des proches de votre famille. Et si c'est un riche ou un pauvre, laissez pas sa richesse vous empêcher de dire la vérité parce que tu dérives une partie de son argent, ou bien la pitié que tu as pour le pauvre t'empêcher de dire la vérité à son sujet parce que tu dis il est pauvre. Non, Allah, il sait plus que vous qu'est-ce qu'il mérite, hein. Et donc, il va s'en occuper de chacun d'eux, que ce soit un riche ou un pauvre. Donc dites la vérité, et même dans, que ce soit un pays musulman ou non musulman, mais la vérité c'est la vérité, que tu dises ça à des musulmans ou des non musulmans. Il y a aujourd'hui des gens qui se disent musulmans, qui se disent salafis, et qui pensent que de voler le bien des koufars et de prendre leur argent et de prendre leur vie et leur femme, qu'ils croient que ça c'est permis dans l'islam. Et ils croient que ça fait partie de l'islam et qu'ils sont salafis en disant ça. Et il y a plein de gens qui salissent l'islam avec des idées pareilles, alors que ça c'est faux. C'est contraire à l'islam ces idées-là, c'est contraire au manhaj des salafis de dire des choses pareilles. D'accord? Et t'es rentré dans un pays de kouf, t'as signé, t'as donné ton accord que t'allais respecter hein, leurs biens et leur vie. Donc maintenant comment tu vas te permettre de trahir ta parole et ton engagement envers les koufars et de te permettre de faire ce qui est haram dans l'islam et de les trahir, hein,
au nom de soi-disant du djihad ou de l'islam, ou de soi-disant que tu dis que tu es un salafi djihadi. Ça, c'est quelque chose qui revient contre l'islam et contre les salafis en particulier, et les koufars. Autant que les musulmans doivent savoir que l'islam est innocent de ces idées-là, que l'islam est innocent de ces paroles-là, que l'islam est innocent de ces positions-là, et de se désavouer de tout ce qui a rapport avec ces gens-là, et de ces idées-là, et de ces paroles-là, pour que les koufars, en premier aussi, sachent que nous, les musulmans, on n'est pas tous pareils. Il y a des gens qui sont sur la sunna et qui croient en la vérité, et qui suivent et qui respectent leurs paroles et leurs engagements, et qui ne trahissent pas leurs paroles, ni envers les musulmans, ni envers les non-musulmans, et qu'il y a une autre catégorie de musulmans qui sont parmi les gens de Bid'a, qui croient que c'est permis de mentir, qui croient que c'est permis de voler, qui croient que c'est permis de trahir leurs engagements et leurs paroles, et ces gens-là, ils existent, oui, parmi les musulmans, mais ce ne sont pas des musulmans qui suivent la bonne voie, ce sont des musulmans qui sont sur l'égarement, et pour que les koufars sachent qu'on n'est pas tous... Bon, que ce soit la majorité ou la minorité, ça n'a pas d'importance. L'important, le verset 135 dans sourate An-Nisa. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et ne suivez pas vos passions, et ne laissez pas vos passions vous détourner de la justice. Et Allah, il dit ensuite, et si vous portez un faux témoignage, ou si vous le refusez, sachez qu'Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ça veut dire, tu donnes un faux témoignage aux gens, tu caches une partie de la vérité, pour te protéger ta vie toi-même, ou te protéger toi-même. Dis aux gens la vérité. Avant, t'étais le premier, c'est vrai, t'étais le premier à insulter les ulamas, à dire que c'était des savants qui travaillent pour le compte des dirigeants, que c'était des hypocrites, des espions, à les insulter, à dire que c'était des koufars, hein, parce que cette personne, je l'ai entendu dire ça, et d'autres personnes l'ont entendu également, dire que les ulamas c'est des koufars, d'une base, et que le roi de l'Arabie Saoudite, que c'était un kafir, que c'était un paroute, et toutes ces paroles-là sortaient de sa bouche, et de tous les gens qui étaient avec lui, de cette catégorie-là de djihadis, de takfiri à Montréal, qui se prétendent soi-disant être des salafis, qui n'ont rien à voir avec la voie des salafs, ni avec le manhaj des salafs. Donc, c'était pour expliquer justement que c'est pas ça la voie des salafis. Et moi, quand j'étais imam à la mosquée, à Dar al-Arqam, depuis le début, j'ai essayé de trancher la ligne, de tracer la ligne, pour séparer justement, pour clarifier les rangs, pour que les gens sachent, il y a ces gens-là et il y a la voie des salafs, et que la voie des salafs, elle n'a rien à voir avec ce que ces gens-là font. Et les gens à Sunna, la mosquée Sunna, ils n'ont jamais voulu tracer cette ligne, parce que justement, ils sont avec ces gens-là, ils sont alliés avec eux. Même s'ils ne le disent pas ouvertement et ils ne le déclarent pas officiellement, ça se voit, parce que leur façon d'agir avec eux, et dans la bibliothèque et dans la librairie, les livres, ils les passaient, hein, et les vidéos, et tous les trucs qu'ils ont là-bas, ils acceptent tout, ils laissent tout passer. Et ils se... Et maintenant, c'est ça. Donc maintenant, depuis le 11 septembre, ils ont adopté une autre attitude. Parce que là, ils ont senti qu'il y a plus de pression sur eux. Donc maintenant, ils adoptent une attitude plus ouverte devant les koufars. Malgré qu'ils gardent toujours les mêmes idées. Les mêmes livres sont là-bas. Les mêmes cassettes sont là-bas. Les mêmes personnes sont là-bas. Les mêmes manhajs sont là-bas. Ils ont pas fait tôt. Ben, ils ne se sont pas repentis. Pour te repentir, tu dois clarifier ton erreur et tu dois te désavouer de cette erreur et tu dois purifier tout ce qui est mauvais dans qu'est-ce que tu faisais auparavant et le rejeter. C'est pas juste de dire non, je faisais ça avant ou je disais ça avant, maintenant je le dis plus. Oh, mais qui le sait ça, hein? Et puis les koufars, ils savent qu'est-ce que ces gens-là disaient auparavant et qu'est-ce qu'ils croyaient auparavant. Ils le savent. Il y a des gens qui les espionnent, ces gens-là, il y a des gens qui les suivent, hein, et eux-mêmes ils le savent ça, parce que c'est les premiers à le dire, ils pensent que tout le monde sont des espions, hein, et même ils ont eu le culot même de dire que soi-disant, j'ai travaillé pour ces gens-là, des services de renseignement, des trucs comme ça, et c'est ça ce qu'ils font maintenant, ils vont voir, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont voir tous les convertis pour leur poser des questions, ils envoient des agents des services de renseignement pour aller leur poser des questions, hein, pourquoi ils font ça? Pourquoi ils vont voir les musulmans qui viennent des pays arabes, des pays non arabes,
mais ils viennent voir les convertis en particulier. Pourquoi? Parce que après, par la suite, les musulmans vont toujours se méfier des convertis. Ils vont toujours se dire, ah, ces gens-là, peut-être c'est des agents, ils se font passer pour des musulmans, ils rentrent parmi les musulmans, puis après ça, ils travaillent pour les services de renseignement canadiens par la suite. Hein? Et c'est faux! Hein? Même en France, subhanallah, quand j'étais là-bas, il y a des frères qui ont été convoqués par les RG là-bas, les services d'enseignement. Et c'est pour dire pour quel crime ils ont commis. Ils se sont convertis à l'islam et puis ils ont pratiqué la voie des salafs. Ils n'ont rien fait d'autre que ça. Et donc, du moment que tu es musulman, maintenant ça y est, ils ont ta photo, ils ont un dossier sur toi dans les services d'enseignement. Pourquoi? Parce que tu es musulman salafi, tu pratiques l'islam. Bien, ça dépend, dans certains endroits peut-être, mais la raison pourquoi on est persécuté, parce que justement à cause de cette ambiguïté là qui existe maintenant, c'est que eux ils veulent essayer de créer une ambiguïté et une amalgame entre les salafis et les gens qui font les actes de terrorisme. Et ils essaient de les mettre dans le même paquet pour essayer de dire ces gens-là sont avec eux. Et pourquoi ils font ça? Parce que ces gens-là qui font ces actions-là et ces attitudes-là, c'est des gens de Hizbiya, c'est des gens qui font partie des groupes comme les groupes de Ikhwan ou des Sururi ou des Qutbiyin. Et eux, ils se disent salafis quand justement ils se font attraper, ils disent on est des salafis pour que le blâme retombe sur les salafis. Alors que quand ils ne sont pas dans ce contexte-là, ils sont en train de dire aux salafis, il ne faut pas dire salafis, ça divise les musulmans. Hein? C'est eux les premiers à dire, il ne faut pas dire que vous êtes salafis, parce que si tu dis que tu es salafis, tu divises les musulmans. Pourtant, après ils sont en train de dire, on est des salafis djihadis. Mais pourquoi vous voulez mélanger les gens avec ces idées-là? Oui, c'est ça. Eux, maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les koufars? Ils disent que les musulmans salafis, c'est des radicaux, c'est des gens fermés, et c'est pas des gens ouverts d'esprit et des trucs de ce genre. Et ça, c'est par rapport à leur point de vue et leur principe à eux. Parce que la réalité, qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est radical et pas radical? Qu'est-ce qui détermine qu'est-ce qui est extrémiste et qu'est-ce qui n'est pas extrémiste? C'est pas les non-musulmans qui doivent nous dire ce qui est radical ou non. C'est le Coran et la Sunna qui nous le dit. Donc nous, on doit se référer à nos références et à nos preuves pour savoir qu'est-ce qui est radical ou non. Et ce qui est en accord avec la Sunna et avec l'islam et le Coran et la Sunna et la voie des salafs, on dit ça c'est l'islam. Et si quelqu'un rajoute ou enlève ou change la religion, là on va dire non, ça c'est pas l'islam. Il y en a qui, donc, s'il y a d'autres groupes, par exemple, il y a des gens de Bid'a, eux ils comparent par rapport aux autres groupes de Bid'a, comme les soufis. Soufis pour eux, tout le monde peut faire qu'est-ce qu'il veut. Comme le Omar Koné, là, qui est allé à Tout le monde en parle, tu le vois, il dit, oh oui, pas de problème avec les homosexuels, pas de problème avec l'alcool, on est modéré, on est ouvert. Donc ça c'est pour dire, regardez les salafis, eux ils acceptent pas ça, donc ils sont radicaux. Mais il y a beaucoup de gens qui sont contre ça, qui ne sont pas des salafis. Ici même à Montréal, il y a des, comme par exemple Jaziri, l'imam Jaziri, il s'est fait, qui a été renvoyé en Tunisie, et bien lui, il n'était pas salafi. Et pourtant il était contre l'homosexualité, il était contre l'alcool, et de participer dans les choses d'alcool, et pourtant il n'était pas salafi. Ni dans sa aqida, ni dans son manhaj. Hein? Et donc c'est pour vous dire que le fait que quelqu'un soit strict dans des principes islamiques et dans sa façon de pratiquer la religion, même s'il a une barbe, même s'il a un qamis, même si la femme elle porte le sitar ou le djilbab ou le niqab et qu'elle marche dans la rue toute voilée, ça ne veut pas dire qu'elle est salafia. Si elle n'est pas sur la croyance et le manhaj des salafis, elle n'est pas salafie. Il y a des fondements dans ce manhaj, il y a des principes à suivre. Ce n'est pas juste une apparence que tu adoptes et une façon de parler ou bien de dire que tu es strict et puis ça y est, tu es salafi. Non, il faut prendre l'islam en entier et respecter tout et suivre tout. Mais, pardon? Oui, il faut, et c'est pour ça que j'ai fait le cours, la da'wa salafia, c'est pour ça que je l'ai fait, pour que les gens comprennent qu'est-ce que c'est vraiment cette da'wa. Une femme qui porte pas le hijab, qui marche dans la rue sans hijab, qui fait ses cinq prières et tout, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas salafia. Mais elle est une pécheresse, une musulmane qui fait un péché. Mais si sa aqida, c'est la même que celle des salafs, elle est sur le tawhid, elle fait pas de bid'a, elle est contre les bid'a. Hein? Et elle essaie de faire son possible pour pratiquer sa religion, mais qu'elle fait des péchés, elle est salafia. Tu peux pas dire qu'elle est une mubtadi'a, tu peux pas dire qu'elle est kafira. Elle est musulmane, elle est salafia.
sauf qu'elle est dans le péché. Elle doit se repentir. Hein, elle doit commencer à pratiquer ça. Mais les gens, ils comprennent pas. Si ça la fille, ça veut pas dire que t'es parfait. Mais tu dois faire des efforts pour l'être et suivre l'exemple des salafs. Hein? Si quelqu'un porte la barbe, le kamis, la femme qui porte le djilbab et le fita qui est couvert de la tête aux pieds, mais qui fait le takfir des dirigeants et qui croit que tu as le droit de voler les biens des koufars ou de rentrer dans les élections, des trucs comme ça, et qui dit que, par exemple, je sais pas moi, on a le droit de s'allier avec les moutadi'a, puis qui dit des trucs comme ça, et qu'elle porte tout ça, elle fait tout ça, et qu'elle fait ses 5 prières par jour, elle n'est pas salafia, même si elle porte ces vêtements-là, qui sont portés d'habitude par des femmes salafias, par les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par les femmes des sahaba. Vous comprenez? C'est de comprendre et de suivre le principe. Parce qu'il y a plein de gens, quand j'ai parlé avec des jeunes, justement à propos de toute cette fitna qui s'est produite là, quand le journaliste il a pris un texte que j'ai écrit, il l'a mis dans le journal, ça a fait toute une fitna à Montréal, et il y a des gens à Montréal qui disent, non pourquoi tu parles contre les frères de sunna, c'est des salafis, pourquoi tu parles contre ceux-là, c'est des salafis, pourquoi tu parles contre ci, c'est des salafis, tout le monde est des salafis, mais ça veut dire, ils n'ont rien compris de qu'est-ce que c'est être un salafi d'abord, parce que si tout le monde est salafi, pourquoi les Ikhwan sont salafis, les Tablir sont salafis, tout le monde sont salafis pour eux, parce qu'ils ne savent pas c'est quoi être salafi. S'ils savaient c'était quoi être sous la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, ils n'auraient jamais dit ça. Ces gens-là c'est des sururis, des Qutbiyyin et d'autres, et ils se disent, ils se prétendent salafis. Mais pour être salafi, vous respectez le principe des salafs. Comment quelqu'un il contredit tous les fondements et les principes des salafis après il se dit salafique? Hein? Il insulte les ulama. Il insulte les ulama salafiyin et les imams de cette da'wah, puis il se dit salafi. Mais s'il a rabaissé les ulama, il a insulté les ulama, qui est-ce qui reste par la suite? Hein? Tu vois ces gens-là qui ont la barbe, qui portent le kamis, et qui font le takfir des savants de l'islam, et qui font le takfir des gouvernements et des savants. Quel salafi ils ont ces gens-là? Donc c'est pour dire, si quelqu'un il avait une bid'a et qu'il s'en est repenti, c'est quoi la preuve qu'il s'en est repenti? C'est ça que je veux savoir. Qu'ils amènent la preuve qu'ils s'en ont repenti. S'ils nient qu'ils l'ont dit ces paroles, ils nient ces paroles alors qu'il y a des témoins qui étaient là, qui les ont entendu dire ça, et qu'il y en a d'autres qui les ont entendu dire d'autres choses. Alors, s'ils mentent ou ils nient ça, alors qu'est-ce qui reste après? Et qu'ils traitent ceux qui disent, par exemple, la personne a dit, on va faire une plainte pour diffamation, que j'ai dit, à cause que j'ai dit ça, il voulait faire une plainte pour diffamation. Subhanallah. Il nie ce que j'ai affirmé. Il me traite de menteur. S'il voulait se vanter, peu importe l'intention et les paroles que tu as dites, tu es responsable de tes paroles, que tu le disais pour te vanter ou non. Et il n'y a pas juste ça, c'est pas dénoncé publiquement. Le contexte de toute l'affaire, c'était à la base, c'était arrivé comment? C'était arrivé qu'il y a un journaliste, il y a un journaliste qui a écrit un livre, qui a dénoncé soi-disant des gens qui sont reliés au terrorisme islamique ou des trucs comme ça. Et dans son livre, il mentionne tout le monde, il mentionne n'importe qui, il les mélange ensemble, et il m'a même mentionné dans son livre. Hein? Et donc, moi j'ai écrit un texte pour montrer les amalgames qu'il a fait et pour dénoncer ça, et j'ai montré que les gens dont il a parlé dans son livre, c'est pas des salafis. Eux, il les a classés parmi les salafis, alors qu'ils n'ont rien à voir avec les salafis. Et j'ai montré que ces gens-là qui sont mentionnés dans son livre, voici leurs idées, voici leurs paroles, voici ce qu'ils disaient. Et c'est des choses qu'ils appellent les musulmans à dire ces choses-là. Maintenant, il y a des groupes de musulmans qui se sont mis derrière lui pour le défendre. Parce qu'il y a des gens qui ont cette idée-là que, depuis que c'est un musulman qui a des problèmes avec les koufars, il faut tous se mettre ensemble pour le défendre. Peu importe que ce soit quelqu'un qui est pour la vérité ou pour l'égarement. Et puis, il faut pas mentionner à ce moment-là, puisqu'il a des problèmes, il faut pas mentionner les choses qu'il a dit ou qu'il a fait qui sont pas correctes. Alors, si c'est le cas,
dans ce cas-là, on va s'allier avec qui? Avec Ben Laden, avec, toutes les autres gens qui ont des erreurs et qui appellent à l'égarement. Hein? Donc, nous, les musulmans, on n'a pas à dire on va défendre une personne qui supporte des idées comme ça, juste parce que c'est un musulman. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la'ana Allahu man awa muhdithan. Celui qui protège un criminel, ou un mubtadi', Allah le maudit. Donc ton frère musulman qui fait un crime, ce criminel, ou bien qui appelle à une bid'a, puis que tu le défends, eh bien tu es maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors toi, comment tu vas prendre ta défense, mon frère, à moins que tu lui donnes une nasiha, tu lui dis à ce frère, repens-toi à Allah, dis ouvertement aux gens, oui c'est vrai, c'est ça, dis, cette personne-là, elle fait. Ouais, mais depuis combien d'années que la personne, elle est dans cette situation-là, elle n'a jamais dit. Elle n'a jamais dit à quiconque qu'est-ce qu'elle disait auparavant ou qu'est-ce qu'elle pensait auparavant, qu'est-ce qu'elle avait comme idée. Non, mais ça c'est parce que le fait qu'il parle, ceci c'est sur un plan individuel et que la personne qui dit cette chose-là, elle le dit en privé à une personne, ok, par exemple que cette personne-là n'est pas connue et que son cas n'a pas été publicisé, hein, c'est quelque chose qui est vraiment restreint et limité. Mais du moment que son cas est public, il y a des livres qui ont été écrits là-dessus, et qu'il y a des articles qui ont été écrits là-dessus, dans le journal, dans les médias, partout, son dossier est public, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde est au courant de ça. Et puis toi, tu viens, tu dis, il ne faut pas parler de ça en public, il faut de ça en privé. D'accord. Inch'Allah, si c'est le cas, parce que de toute façon, la question de est-ce que tu dois faire l'avertissement ou le conseil, soit en privé ou en public, c'est une question qui revient souvent à une question de jugement et d'analyse, selon les circonstances et selon les personnes. Pour certains, c'est mieux de le dire publiquement, directement, clarifier les choses, pour que les choses soient claires, parce que ça a rapport avec le fait de désavouer et de clarifier pour les musulmans et pour les non-musulmans, parce que c'est public, hein, pour certains individus. Mais pour certaines personnes, les ulama, eux, ils vont dire, par exemple, non, on parle pas de ça publiquement, c'est mieux de garder ça privé, ou d'aller voir la personne directement, pour corriger cette erreur-là. Pourquoi? Parce que il y a déjà, premièrement, il y a des gens aujourd'hui, ils jouent là-dessus. Ils jouent là-dessus, justement. Ils font une erreur, et ils appellent les gens à l'égarement pendant des années, et quand quelqu'un dénonce ouvertement et publiquement qu'est-ce qu'ils font, puis que tu n'es pas allé les voir en personne pour leur dire, ils vont dire, ah, pourquoi il n'est pas venu me voir en privé? Oui, mais c'est quoi maintenant ta position par rapport à l'erreur? Maintenant que tu le sais là et que c'est devenu public, est-ce que tu vas revenir ou non? Qu'est-ce qui est bizarre là-dedans? C'est que ces gens-là me blâment moi d'avoir mentionné ce que cette personne-là appelait les gens à faire et à suivre, et personne n'a rien dit à propos de ce que cette personne-là a dit. Ouais, djihadi et takfiri. Donc pourquoi? Le cheikh il dit, donc il faut respecter les ulama, et le fait que nous on appelle les gens à dire qu'on doit respecter les ulama, il n'y a pas de shirk majeur là-dedans. Et celui qui dit que c'est une forme de shirk majeur, c'est une fausse parole qu'il dit, et c'est même incorrect. Donc nous les ulama, le cheikh il dit donc, nous qu'est-ce qu'on sait des salafis, c'est qu'on leur donne aux gens de donner une nasiha de la manière qui est convenable et de ne pas manquer de respect et de ne pas rabaisser les ulama à ce sujet-là. Non, mais on est divisé. C'est pas trop bon, tu vois. C'est pas trop bon. Attends, regarde, Zahir. C'est pas trop bon qu'on soit divisé. Mais est-ce que c'est une réalité ou non? Est-ce qu'on est divisé ou non? Réponds à la question. Est-ce qu'on est divisé oui ou non? Est-ce que le fait de nier la division, ça nous réunit? Non? Donc, la façon de montrer qu'on est unis, c'est pas de nier la division, c'est de reconnaître la division
et de corriger les problèmes qui ont créé cette division-là. Parce que la guerre entre les musulmans, elle existe. Depuis des siècles, c'est pas aujourd'hui. Les gens de la vérité, et les gens qui suivent la vérité, sont toujours unis. Ceux qui se divisent, c'est ceux qui s'égarent du droit chemin parmi les musulmans. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit, cette umma, cette nation va se diviser en 73 sectes. Et que toutes sont dans l'enfer, excepté une. Donc la division, elle a déjà été annoncée, elle a déjà été expliquée, clarifiée. Le problème, c'est que nous, on doit régler la division en appelant les musulmans à revenir aux bonnes bases et à la bonne compréhension de l'islam pour justement que cette division-là cesse, Inch'Allah. Donc, le cheikh, on a clarifié maintenant les paroles du cheikh Ahmed al-Najmi dans le sharh qu'il a donné de Kitab al-Tawhid. Mais la note qu'on voulait clarifier, c'est par rapport justement à la distinction au sujet de, cette question-là dans ce chapitre, par rapport à de rendre halal ce qui est haram, ou de suivre les savants et les dirigeants dans le fait de rendre haram ce qui est halal, ou de rendre halal ce qui est haram, ça équivaut à les prendre comme des égaux ou des seigneurs en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. On voulait faire comprendre là-dedans qu'il faut distinguer entre le kufr et le shirk majeur et le kufr et le shirk mineur dans ces questions-là, pour pas tomber dans l'extrême de faire le takfir comme certains ont fait le takfir à ce sujet-là. Maintenant, on revient au sharh du Cheikh Saleh Al-Fawzan à ce sujet-là, et il fait un résumé de 8 points des biens qu'on a pu comprendre et extraire de ce chapitre. Donc, le Cheikh, il dit: ما يستفاد من هذه النصوص أولا تحريم طاعة العلماء والأمراء في تحريم الحلال وتحريم الحرام وأنه إن استباح ذلك فهذا هو الشرك الأكبر وإن لم يستبحه فإنه يعتبر معصية عظيمة من المعاصي وهو من الشرك الأصغر. الشيخ الجديد قميما d'interdire l'interdiction d'obéir. On peut extraire dans ce chapitre, on peut comprendre à partir des textes du Coran et de la Sunna qu'on a mentionné, et les paroles des ulama qu'on a mentionné, on peut comprendre à travers ça que c'est interdit et qu'il y a une interdiction d'obéir aux savants de l'islam et aux dirigeants musulmans dans le fait de rendre halal ce qui est haram, ou dans le fait de rendre haram ce qui est halal, et que celui qui le rend halal ou qui le permet, hein, dans ce cas-là, ça c'est une forme de kufr et de shirk akbar, dans le sens que tu rends halal qui est haram, et tu rends haram qui est halal avec connaissance, hein, tu les suis dans ça avec connaissance, là c'est une forme de shirk, de kufr majeur, parce que tu contredis la loi d'Allah et tu contredis la révélation. Et si tu le fais, et que tu considères que c'est un péché parmi les péchés, un grand péché parmi les péchés, mais que tu ne le rends pas halal et que tu ne le rends pas licite et permis, ça, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Ça, le Cheikh Al-Fawzan, il avait expliqué lui aussi au début du chapitre. Toutefois, Cheikh Al-Najmi, il le clarifie beaucoup plus en détail avec des exemples. Et donc, c'est pour ça que j'ai voulu mentionner ça. Donc, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ثانياً, أن طاعة العلماء والأمراء في غير معصية الله واجبة لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وذلك لأنه لا يتم نظام العالم وقيام المصالح إلا بطاعة ولاة الأمور وما لم يأمروا بمعصية الله عز وجل فإن أمروا بمعصية الله فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق في تلك المعصية ويطاعون فيما ليس بمعصية. Le Cheikh il dit, deuxièmement, que d'obéir aux ulama et aux dirigeants, aux ulama, aux savants de l'islam et aux dirigeants musulmans, dans ce qui n'est pas un péché, c'est obligatoire. C'est-à-dire, les savants et les dirigeants, s'ils ordonnent aux gens de faire quelque chose dans la société, et que cette chose-là, elle n'est pas haram, elle est permise, c'est obligatoire de le faire, selon notre capacité. D'accord? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 59 dans sourate An-Nisa, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement, c'est-à-dire les savants et les dirigeants. C'est parce que le système de la vie, du monde et de la société,
ça peut pas fonctionner sauf si on respecte cette règle-là et qu'on obéit à ceux qui sont en charge et qui sont responsables. Si toute personne qui est au pouvoir, on refuse de l'obéir dans le bien et dans ce qui est permis, ben ça, y a rien qui va tenir. Donc ça c'est un point important. Et le chef il dit que on n'a pas le droit toutefois d'obéir aux dirigeants musulmans dans le péché. Donc tant qu'ils nous ordonnent pas de faire un péché, on doit les obéir. Mais du moment qu'ils nous ordonnent de faire un péché, on n'a pas le droit de les obéir dans le péché. D'accord? On les obéit dans tout ce qu'ils nous demandent de faire qui est permis dans l'islam. D'accord? Mais s'ils nous demandent de faire quelque chose qui n'est pas permis dans l'islam, on n'a pas le droit de les obéir. Aujourd'hui, chez les musulmans, dans certains pays musulmans, c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. Comment? C'est que quand les dirigeants ordonnent de faire qu'est-ce qui est permis, les musulmans obéissent pas. Ils désobéissent. Et quand le dirigeant permet de faire ce qui est haram, ou ordonne de faire ce qui est haram, ils obéissent. Souvent, c'est ça ce qui se passe dans les pays musulmans aujourd'hui. Actuellement. Quand c'est un péché que le dirigeant ordonne de faire, les musulmans le font. Ou ils l'acceptent. Ça veut dire, ils acceptent de le faire. C'est ça que je veux dire. Mais ils savent que c'est haram, mais ils le font quand même. Donc ils ne sont pas kuffars pour ça. Mais c'est une forme de kuff mineur quand même, parce qu'ils obéissent dans le péché. Hein? Mais quand le dirigeant leur ordonne de faire quelque chose qui est permis dans l'islam, ils refusent de le faire. Des fois c'est comme ça, c'est pas tout le monde, mais il y a beaucoup de musulmans qui agissent de cette façon-là. Et ça c'est pour ça qu'il y a plein de corruption dans les pays musulmans. Dans certains pays musulmans il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup d'injustices. Qui sont perpétués dans la société, pas seulement à cause des dirigeants, mais à cause de la population elle-même, qui accepte et qui continue de faire, que l'injustice et la corruption se répandent dans la société. D'accord? Parce qu'ils acceptent d'obéir dans le péché, au lieu de s'abstenir. Le problème avec le voile au Canada, comme tu dis là, aujourd'hui, c'est qu'il y a toutes sortes d'exemples qui sont en dehors de l'islam qui se produisent. Maintenant, ils demandent à des femmes, il y a des femmes maintenant musulmanes qui demandent d'aller travailler dans des choses que c'est même pas permis pour elles dans l'islam d'aller travailler là avec ça. Avec ou sans voile, c'est pas permis pour elles de travailler là. Comme par exemple, gardien de prison. Une femme n'a pas le droit de travailler comme gardienne de prison pour hommes, hein, avec ou sans voile. Et je te donne un autre exemple. Travailler dans une banque. La femme, elle dit, je veux avoir le droit de porter mon voile à la banque, parce que je travaille comme caissière ou comme conseillère en prêt ou en, je sais pas, en investissement dans la banque. Elle dit, permettez-moi de mettre mon voile au travail. Déjà, travailler dans la banque, c'est haram. Comment tu vas demander la permission de mettre le voile à la banque? Tu comprends? C'est comme si tu disais, permettez à une fille musulmane de danser, de faire une danse dans un bar de danseuse nue avec son jilbab ou avec son hijab. Ou bien, permettez à une fille musulmane de travailler dans une discothèque ou comme serveuse dans un bar avec son djilbab. Ou permettez à une femme musulmane de, je sais pas moi, de faire par exemple, je sais pas moi, ben là, pourquoi je dis ça, c'est parce que il y a des femmes maintenant qui veulent faire lifeguard dans une piscine avec le voile. Et le voile qu'elle porte, c'est même pas islamique. Il y a des hommes en bikini, il y a des hommes en petit maillot de bain là, comme des petits sous-vêtements là, speedo. Et puis les femmes en bikini qui vont dans la piscine, elle regarde ça. Et elle travaille là, elle dit moi je le fais pas, donc c'est correct. Elle porte une sorte de truc là, soi-disant, ils appellent ça burkini. Ouais. Et ça n'a rien à voir avec l'islam. Oui, c'est ça.
Mais ça c'est, oui, c'est des poussins qui ont inventé ça. C'est des Australiens qui ont inventé ça, oui. Et puis le pire, c'est qu'ils ont envoyé, même quand j'étais à la mosquée, ils ont envoyé une lettre. Il y a un magasin à Montréal qui vend des trucs de sport. Ils ont envoyé une lettre à la mosquée pour dire on a reçu des burkinis. Hein, donc, informez votre communauté qu'on a reçu ça s'ils veulent venir les acheter. Donc, c'est de la foutaise, bien. De Bahreïn. Ben, c'est pas le voile islamique. C'est c'est même pas un foulard. C'est comme une sorte de casque là, un sorte de truc qu'elle attache serré autour de sa tête et autour de son cou, avec des shorts et des collants. Et puis elle venait de Bahreïn. Ouais. Non mais oubliez ça, parce que ça c'est comme si pour dire le fait que la femme elle porte ça, c'est comme si pour essayer de faire comprendre aux gens que c'est plus islamique. Et c'est comme une femme par exemple qui veut être, je sais pas moi, le fait que par exemple, supposons je sais pas moi, un vendeur de drogue porte un qamis avec une barbe puis un taqiya, puis il se tient au coin de la rue pour vendre la drogue. Est-ce que c'est plus halal? Qu'est-ce qu'il fait? Parce qu'il porte la barbe et le qamis? Non! C'est haram! Donc, que tu le fasses avec le voile ou que tu le fasses sans voile, c'est haram. Et donc, il faut que le voile que la femme porte soit en accord avec la charia, alors c'est pas le cas. Elle n'a pas le droit de travailler sans voile. La femme musulmane, depuis qu'elle va être dans un endroit où elle va être vue par des hommes qui sont pas de sa famille, qui ont le droit de se marier avec elle, c'est interdit pour elle de pas se couvrir. C'est obligatoire pour elle de se couvrir. C'est ça. Si les dirigeants ordonnent de faire ce qui est interdit, elle n'a pas le droit d'obéir dans ce qui est interdit. Et c'est ça ce qui est triste aujourd'hui, souvent c'est ça ce qui se passe, c'est que si regardez par exemple, dans la société, on n'est pas dans un pays musulman ici. Et si quelqu'un désobéit aux lois des hommes, aux lois faites par l'homme, qu'est-ce qui arrive? C'est très grave. Tu vas avoir une amende. Hein. Ici, il y a plein, les koufars, ils ont tellement de lois, tellement de règles que tu dois respecter, c'est incroyable. Des règles au travail, des règles dans la rue, des règles dans la société, partout. Hein. Même, tu traverses la rue à la lumière rouge, même s'il n'y a pas de voiture, un policier te voit, il veut te donner un ticket. Il te fait payer 75$ ou plus même. Tu jettes une gomme ou quelque chose sur le trottoir ou dans la rue, le policier te voit, il veut te donner une contravention, un ticket de 85$. C'est pour dire que Allah Musta'an, si tu désobéis aux lois des hommes, même si c'est des choses insignifiantes, il te donne des problèmes. Mais si tu désobéis aux lois de Dieu, tu dis le kufr, t'insultes Allah, t'insultes le prophète, t'insultes la religion, tu invites les gens à la mécréance, au shirk, à la bid'a, à tout, ça c'est pas grave ça. Ça c'est permis par la loi. Mais tu veux ordonner aux gens, hein, une femme veut marcher à moitié nue dans la rue, elle veut marcher comme une femme prostituée dans la rue, ça te dérange pas. Mais si tu, par exemple, désobéis à une de leurs lois qu'ils ont écrites avec leurs propres mains, là ça y est, c'est la fin du monde. Donc c'est pour dire, quand les koufars ici disent, vous avez la liberté, eux ils veulent dire en fait, vous avez la liberté de désobéir à Dieu, mais vous n'avez pas la liberté de désobéir à nos lois qu'on a inventées nous-mêmes. Celles-là, si vous essayez de prendre la liberté de les désobéir, de désobéir à ces lois-là, vous allez voir que vous n'êtes pas libre. Hein? Et tous les coupables ils disent ici, on est dans un pays libre, mais regardez le code de code civil, le code de pénal, toutes les lois, toutes les règles municipales et tout. Et même dans le travail, tu vas aller travailler dans un endroit, il te dit tu dois porter tel uniforme et tu dois porter tel ensemble. Si tu rentres au travail sans cet uniforme-là, tu ne peux pas travailler. S'il y a une sorte de chaussure que tu dois porter, si tu viens au travail sans cette chaussure-là, tu retournes chez toi. Donc c'est pour dire que
les koufars, dans leur vie et dans leur loi et dans leur système, ils ont tellement de lois, tu peux même pas les calculer, et ils sont très stricts dans les, pour les faire respecter. Mais quand c'est les lois de Dieu et les règles de la foi, et que c'est des choses que Allah a ordonnées, là, n'importe quel petit détail de la loi, pour eux, c'est comme la fin du monde. Et en fait, c'est des choses qui sont bonnes pour nous, et des choses qui sont interdites, c'est des choses mauvaises pour nous. Et là, malgré tout, ils nous disent non, vous avez, c'est, là, dans ces choses-là, vous n'avez pas la liberté. Mais dans le mal, vous avez la liberté, mais dans le bien, vous n'avez pas la liberté. Donc c'est pour vous montrer en fait comment les gens maintenant, ils ont renversé la question de l'obéissance aux dirigeants dans le bien et la désobéissance aux dirigeants dans le mal et dans ce qui est haram. Troisièmement, le cheikh il dit, وفي قول ابن عباس أن قول العالم إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب الأخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك قول العالم مهما بلغ من الفضل كأبي بكر وعمر وسفيان الثوري والعالم إذا أخطأ عن اجتهاد فخطأه مغفور ولكن لا يجوز لنا تقليده على الخطأ على خطأ. Le cheikh il dit troisièmement, la parole d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le savant, lorsqu'il a contredit la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, on a vu que c'est obligatoire dans ce cas-là de prendre la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et d'abandonner la parole du savant, peu importe quel mérite ce savant-là peut avoir et quel niveau il a pu atteindre dans la science et dans la foi. Comme par exemple Abu Bakr et Omar, qui sont les deux meilleures personnes dans cette Ummah, ils ont le plus de science et c'est les plus pieux après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et malgré tout, on n'a pas le droit de les suivre dans une erreur qu'ils font. Et on est obligé de suivre l'exemple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Sufyan al-Thawri, dans l'exemple de l'imam Ahmad, c'est la même chose. Donc, un savant, lorsqu'il fait une ijtihad et qu'il se trompe, c'est vrai qu'il est pardonné, mais on n'a pas le droit, nous, de le suivre dans son erreur. Quatrièmement, يؤخذ من قول الإمام أحمد رحمه الله أن الذي بلغ رتبة الاجتهاد ومعرفة صحة الإسناد أنه لا يجوز له أن يقلد بل يجب عليه الاجتهاد للتوصل إلى الحق بنفسه ولا يسعه إلا ذلك لأن التقليد لا يجوز إلا عند الحاجة وهذا غير محتاج للتقليد. Donc le cheikh dit que on peut prendre à partir de la parole de l'imam Ahmad que quelqu'un qui atteint le niveau d'ijtihad et qui connaît l'authenticité du hadith, il n'est pas permis pour lui de suivre quelqu'un. Comme par exemple, si quelqu'un il est un savant dans le fiqh, mais il ne connaît pas le hadith et l'authenticité des hadiths, il est obligé de faire le taqlid et de suivre un savant de hadith qui va lui clarifier l'authenticité ou la faiblesse d'un hadith. Et dans ce cas-là, il est obligé de le faire. Mais s'il a atteint un niveau où il a atteint ce niveau de connaissance, qu'il est capable de distinguer par lui-même qu'est-ce qui est authentique et non authentique dans l'épreuve de la révélation et de la charia, dans ce cas-là, il n'est pas permis pour lui de suivre aveuglément un savant, et il est obligé lui-même de faire son effort pour arriver à connaître la vérité par lui-même. Et pourquoi? Parce que le taqlid, de suivre quelqu'un aveuglément, c'est uniquement permis dans le cas de quelqu'un qui est dans la nécessité et le besoin de le faire. Mais quelqu'un qui a les moyens de connaître la vérité par lui-même et qui a les outils nécessaires, mais qui préfère suivre quelqu'un aveuglément, ça dans ce cas-là, c'est quelque chose de blâmable, c'est quelque chose d'incorrect. خامسا يؤخذ من قول الإمام أحمد أن من لا يعرف الإسناد وصحته يجب عليه التقليد لمن يثق بعلمه وعمله لئلا يضيع في دينه. Cinquièmement, on peut prendre la parole de l'imam Ahmed que celui qui ne connaît pas l'isnad, la chaîne de narrateur, et son authenticité, c'est obligatoire pour lui de suivre celui à qui il fait confiance pour sa science, dans sa science et dans ses actions, pour pas qu'il s'égare dans sa religion. D'accord? Si tu sais pas, tu demandes et tu suis ceux qui savent. C'est ça que ça veut dire. Ensuite, il dit, سادساً أن صحة الإسناد تدل على صحة المتن خلافاً لمن قال من العقليين إنه وإن صح الإسناد فهو لا يدل على صحة المتن. Le sixième point, c'est que l'authenticité de la chaîne de narrateur prouve l'authenticité du texte du hadith. Ok? Et que, contrairement à ce que disent les rationalistes parmi les gens de Bid'a aujourd'hui, eux, ils pensent que si le texte est authentique, la chaîne de narrateur est authentique, ça ne veut pas dire que le texte du hadith est authentique. Et la référence pour eux pour savoir l'authenticité du hadith,
hein, c'est pas l'isnad, mais c'est leur raison et leur passion. Donc ils voient que si le texte du hadith est en contradiction avec ce que eux ils ont compris, ou en contradiction avec les valeurs occidentales, bon, ils disent non, ça c'est un hadith là, qui, ce hadith n'est pas authentique, ils le rejettent, avec leur passion, pas avec la science du hadith. Et ça c'est ce qu'on appelle al-aqlaniyoun, c'est-à-dire les rationalistes. C'est un groupe de personnes aujourd'hui qui appellent à cette voie-là, de suivre leur passion en prétendant qu'ils suivent la raison et non pas les textes de la révélation. Et ils sont très populaires, et ils sont très connus même, surtout en Occident, en Europe et en Amérique, parce que les gens sont plus ignorants, il n'y a pas de savants en Occident, et donc ils en profitent de l'ignorance des musulmans pour leur faire la propagande de cette da'wah-là, et parmi ceux qui insistent beaucoup là-dessus, c'est les orientalistes, c'est-à-dire les spécialistes des koufars qui étudient l'islam. Eux, ils font beaucoup d'efforts pour mettre de l'avant ces personnes qui appellent à cette voie-là. Hein? Septièmement, سابعاً يؤخذ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أن العبادة ليست قاصرة على الركوع والسجود والدعاء والاستغاثة بل تشمل طاعة الأوامر وترك النواهي. Le Cheikh dit septièmement, on peut prendre aussi du hadith de Adi ibn Hatim, que l'adoration c'est pas seulement limité à faire des inclinaisons dans le recours ou bien des prosternations ou des invocations ou de demander le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça comprend toute obéissance au commandement et tout abandonnement des interdictions. Tout ça, ça fait partie de l'adoration aussi. Et ثامناً أن من أطاع العلماء والأمراء أو غيرهم في تحليل الحرام في تحليل الحلال أو تحليل الحرام أنه قد اتخذهم شركاء لله سبحانه وتعالى في عبادته. وهذا محل الشاهد في الآية الكريمة وحديث عدي الترجمة والله تعالى أعلم. Donc pour dernier point, c'est le huitième point, le cheikh dit que quiconque obéit aux savants musulmans et aux dirigeants musulmans et à d'autres personnes, dans le fait de rendre halal ce qui est haram ou de rendre haram ce qui est halal, ça veut dire qu'il les a pris comme des égaux avec Allah, s'il le fait avec connaissance et qu'il le fait avec connaissance et avec après avoir bien su que c'était contraire à la vérité. Donc c'est comme s'il les a pris comme des égaux avec Allah dans l'adoration et des partenaires avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Et c'est ça le point que le Cheikh a voulu noter, Cheikh Mohamed Abdelwahab, il a voulu noter ça dans justement ce chapitre-là. C'est pour ça qu'il a mentionné le verset en question et les hadiths et les paroles de l'imam Ahmad et autres à ce sujet-là. Wallahu ta'ala a'lam. Et ça c'est la fin donc de ce chapitre. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه. وفيكم بركة.